Düsseldorf en Allemagne, le 26 janvier 2007. Michel Platini s'apprête à lire son discours de candidature à la présidence de l'UEFA, l'instance suprême du football européen. C'est une occasion unique pour lui d'inscrire son nom une nouvelle fois dans l'histoire. Cette fois-ci, non pas en marquant des buts, mais en défendant sa vision de ce que doit être le football de demain. Je suis candidat pour que nous, les élus du football, trouvions ensemble les réponses aux défis que nous lance un monde qui change vite. Nous le ferons avec une ambition simple, que le football en sorte toujours gagnant. Nous le ferons au nom d'une philosophie claire. Le football, mesdames et messieurs, est un jeu avant d'être un produit. Le football est un sport avant d'être un marché. Et le football est un spectacle avant d'être un business. Quand je fais mon discours, je vends tout ce que j'ai à vendre, je donne ma passion, je donne tout, mais après c'est les gens qui vont mettre dans l'urne. Et je suis là, et quoi qu'il arrive, je suis content. Parce que j'ai donné mon message de ce que je pensais, et si j'avais perdu, je serais parti sur une île le temps de perdre une dizaine de kilos. Elected as UEFA president with a mandate of 4 years is Monsieur Platini Michel. Quand j'étais footballeur, quand on avait une grande victoire, on recevait une coupe. Et puis avec ses amis, on faisait le tour du terrain. Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour moi. Mais je ne fais pas le tour du terrain. Parce que tout va commencer, c'est le début d'une aventure.